La famille princière de Belgique s'est agrandie en ce début du mois de septembre. Le prince Amédéo et son épouse Elisabetta sont devenus parents pour la troisième fois. La princesse a mis au monde une petite fille le 2 septembre dernier dans la banlieue bruxelloise. Le début du mois de septembre est toujours synonyme de rentrée. Mais il avait un goût bien meilleur cette année du côté de la famille princière de Belgique. Le prince Amédéo et son épouse, la princesse Elisabetta, sont devenus parents pour la troisième fois. La jeune femme de 35 ans a mis au monde une petite fille à l'hôpital Delta d'Auderghem, présentée officiellement par la famille royale sur Instagram 2 jours plus tard. Le prince Amédéo et la princesse Elisabetta ont la grande joie d'annoncer la naissance de leur fille Alix, née tôt dans la matinée du samedi 2 septembre à Bruxelles. Alix pèse 3,4 kg et, tout comme sa mère, se porte bien. Les familles des heureux parents s'associent à ce grand bonheur, pouvait-on lire en légende d'une photo trop mignonne de bébé en pleine sieste. Nouvelle vie à 5 près de 10 ans après leur magnifique mariage célébré à Rome en Italie, le prince Amédéo et Elisabetta de Belgique poursuivent leur jolie route sur le chemin du bonheur. 2 ans après s'être dit oui, Anna Astrid, 7 ans désormais, pointait le bout de son nez et devenait la grande sœur de Maximilian, née en septembre 2019. Le petit garçon de 3 ans va désormais devoir prêter ses jouets. L'arrivée de la petite Alix bouscule l'ordre de succession au trône de Belgique. 9e dans la liste, elle se hisse ainsi derrière son papa, 6e, Anna Astrid, 7e et Maximilian, 8e. L'actuel souverain, le roi Philippe, se verra lui succéder sa fille aînée la princesse Elisabeth derrière laquelle se trouvent ses autres enfants, les princes Gabriel et Emmanuel et la princesse Éléonore, puis la petite sœur du prince, Astrid. Thank you.